Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez le cadre derrière nous? On est en montagne. On fait une petite randonnée pour des lacs qu'on ne connaît pas du tout, avec pas mal de marches, pour essayer de trouver des endroits pas trop pêchés. On va faire une nuit en refuge, donc on va pêcher toute l'après-midi et demain matin sur les lacs. On va voir ce que ça va donner. Ça se couvre un petit peu, la météo, pour l'instant n'est pas trop mauvaise, mais on risque d'avoir du temps mitigé. On va voir. On a là un petit peu moins de la demi-chemin, donc on va se retrouver, on va aller tout là-haut, là-bas. Donc on a encore un peu de marche, et j'espère que cette vidéo, on va prendre quelques poissons. Allez, c'est parti! D'arriver, on est juste en dessous du premier lac sur le petit ruisseau. Là, ça fait un joli petit ruisseau. On va essayer de se le pêcher. Alexis sort une petite canne. On va mettre une petite cuillère. Numéro 1 là pour commencer dans tout ça. Là, ça permettra de voir exactement ce qu'il y a. Et si on voit quelques poissons qui suivent ou quoi, je sortirai la canne à mouche. Pour Alexis. Yes, yes, yes. Cool. Ah ouais, bien. C'est joli ça. C'est une fario. Putain, elle est belle. Alexis nous fait un joli fish. Là. Ouais, moi aussi j'ai pris plusieurs touches. Elle est belle. Elle mérite sa photo. T'as ton téléphone dans le sac à dos ou sur toi? Dans la poche du haut? Voilà. Paf! Ouais. Ah, j'ai pris quelques touches moi aussi. Cool. Deux poissons. Yes. Nickel. Black minnow. Ouais, c'est pas des petites au moins. Ouais. C'est qu'il y en a. C'est arrivé d'eau là. Fichonne à la descente. À la descente, Alexis. C'est correct. À la descente. Ouais, c'est quoi? Ils sont belles, hein? Sacré taille moyenne. Hein. Ah, franchement, elles sont bien. Hein. Tu me fais une petite photo? Ça brille trop. Énervé. Ah bah c'est vrai. Elle tire. Elle s'est barrée. À la descente, elle m'a pris.
Loupé. Poisson. Ah, il s'est décroché. C'était pas gros, moi. Moi, c'était pas gros. Oh, je la perds. Non, je l'ai. C'est gros. Ouais. C'est gros. Ouais. Je sais pas si c'est pas par le dos. Sinon elle est fat. Sinon c'est vraiment fat. Si c'est par la bouche, c'est vraiment fat. Mais j'ai senti comme des coups de queue. Ah c'est bon. Un spook. Je t'ai piqué par le côté ? Ouais. Je pense aussi, hein. C'était bizarre le combat. Ah ouais, ben là, c'est pas rentré. Ouais. Ah, par la bouche. Par la gueule ? Ah ouais. Putain, elle est grosse, ouais. Elle est grosse. Ah oui, elle est belle. Ah oui, ah non, par le ventre. Mais elle est belle. Elle est belle, ouais. Elle est venue me taper. Ah oui, elle est venue me taper, ouais. C'est bon. Bah ouais. C'est une belle truite. Elles sont bien grasses. 45 ? Ouais. Beau poisson. Beau poisson, ouais. Elle est venue taper, elle s'est piquée par le ventre. Elles sont belles, les couleurs. Bah, tu vois que c'est des couleurs de pisciculture, mais elles ont des belles couleurs. Cool. Cool, cool, cool. Yes. C'est joli. Elle me l'a ramassé sur le coup. Cool. Un beau poisson pour Alexis. Ah oui, un Christy. Cool, il y a du Christy. Bon, on a un loc à Christy. Ah oui. Et voilà, on s'est ouvert un minico. Voilà. Exactement. Yes. Il est beau, c'est 40. Ouais. Je te rappelle le téléphone pour la petite photo. Il est dans la tête. Hein. Oh. Yes. Hop. Un beau petit Christy. Allez. Qui repart. Cool, il y a du Christy. Okay. Ah bah on voit un peu le lac. Ouais. Effectivement, t'es tombé de l'autre côté. À vue avec ferrage à vue. Hop là, décroché. Ouais. J'ai lancé, je l'ai vu arriver dessus. Je l'ai laissé prendre. Net. Aujourd'hui avec le temps comme ça. Loupé. Oh oui, il est beau en plus. Il fonce dessus. Tu l'as. C'est débile ces trucs. Mais quand ils reviennent, ils reviennent comme des ouf. Puis c'est des beaux quoi. C'est que des blocs. Pas des blocs, ça peut être beaucoup plus gros, mais c'est joli quoi. Comment ils viennent comme des ânes. Tu t'es mis à quoi? Toujours au bloc mignon? Bah ouais. Ça s'arrête jamais ces trucs. Ouais. C'est encore un poisson hyper actif ça. Un poisson pour te mettre un truc dans le dos ça. Ah oh. Oh, c'est chiant. Tant pis. Tac. Christy, go. Joli. Mon trip, on va le récupérer. Il est où? Au fond? Il est juste là. Ah, tu le vois?
C'est le père. Hein? Pas profond. Non. Et le tofu là? Voilà, là. Il y en avait. En plus, c'est détaillé, c'est joli quoi. C'est pas des poissons de vin. Hein. Ouf, c'est derrière. Ouf. Et c'est bon, non? Allez. On va mettre un PN en vrai. Je vais peut-être te mettre un PN. Peut-être que je décroche tout ça. Je vais pas en sortir un. Je vais peut-être. Vraiment, mais c'est doux. Allez, lui, je décroche pas. Il y a plus, là. C'est farci, là. Festival de Christie. Alexis, il en loupe un. Il faut que tu me fasses ma... Oh putain, il s'est barré. Yes. Il est joli. Je vais pas réussir à en faire un, hein, à en sortir. Qu'est-ce qu'il y a là? En vrai, un PN, tu lui fais largement. Bah essaye. Hein. Ça fait deux triples à décrocher. Oh, tu te débrouilles, il est coffré en plus. Ouais. C'est le plus petit celui-là. Putain, moi je les décroche tous. Mais moi je veux ma photo ou... Ouais, il s'est mis en carafe. Oui, il y a encore des touches. C'est débile. C'est vorace ces trucs. Oh, c'est coffré. Oh, le... Non, c'est bon. Bon, je vais l'avoir ma photo. Ouais, bon, si je veux bien se décrocher. Et lui, bien sûr, il va pas se décrocher tout seul. Ah. Ah. Le mec, il a fait un lancer, il a pas eu de touche. Oh, le PN. Bon, tu me fais une photo? Quoi? Tu me fais une petite photo quand même? Ouais, oh, trop tard. Je vais faire une photo avec le contact. Allez. Oh, mais il y a un nid là. Oh, un joli petit poisson. Avec les petits hameçons VMC. Ouais, ah, ça, voilà, parfait. Ouais, mais au moins tu les décroches pas, ça se décroche tout seul ces trucs, ça fait que bouger. Mais tu les abîmes moins parce que là, avec le trip, il coffre tellement que. Fou! C'est débile. C'est génial. On arrive sur un nouveau spot, premier lancé. Paf, joli. Allez. Voilà. Allez, petit Christy, repère gentiment. Grave. Bon, on est le matin, la météo a radicalement changé. On va voir si on arrive à faire des poissons. Il y a le taquet de vent. Ça va être compliqué. Ah, je le perds. Bon, ils sont toujours là. Je l'ai. Ah, je le perds.
Voilà, fin de cette vidéo. On n'a pas pu trop pêcher ce matin. La météo s'est bien gâtée. Gros vent ou... Ouais, il y avait brouillard et tout. Donc on est descendu. Malheureusement, on n'a pas pu exploiter à fond le potentiel. En tout cas, on reviendra, ça c'est sûr, et équipé correctement. On avait du fluoro beaucoup trop fin. Du coup, on perdait des leurres. On a perdu les leurres qui marchaient. Fallait des gros leurres. Et on avait même des leurres trop petits. Je pense qu'il aurait fallu des leurres encore plus gros. Il n'y avait pas tous les leurres souples qui marchaient. Les leurres dures marchaient pas du tout. Pour preuve, il y avait d'autres personnes qui pêchaient aux leurres dures. Ils n'ont rien fait du tout. Et nous, aux leurres souples, il y avait des moments, vous avez vu dans la vidéo, on les empilait. Donc on reviendra bien équipé avec des leurres plus gros, des cannes plus puissantes pour essayer de chercher ces gros. J'en décroche, hein, je le filmais pas là, hier soir on a vite fait mis un coup de ligne, je décroche un poisson de 60. Donc on viendra équiper correctement la prochaine fois et on essaiera de faire des plus gros encore parce qu'il y a vraiment du potentiel et on s'est bien amusé, on a fait quand même des beaux poissons en nombre. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas nous on s'est éclaté et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.